Le Discord du coup MFS 2020, ils sont tous sympas et je leur avais demandé, voilà, vous avez pas des idées là de plans de vol pour chiller? Putain, il y a un avion qui veut atterrir en même temps. Eh hey, mon pote. Oh là là, aïe 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 aïe. Oh, oh mec. Alors les frérots, ça gaz ou quoi là-dedans là? Salut Aurélien, ça va ou quoi? Attendez, parce qu'à un moment donné. Voilà, on rigole. On voit pas le fond du bol hein. On va pas, ça devient chiant cette voix, mais je viens de l'enlever. Ah, je l'ai pas enlevé! Oh my bad, pardon. Oui du coup j'ai préparé déjà le plan de vol. Regardez les amis, on va se mettre bien ce soir sur Flight Simulator. Alors regardez moi ça les frérots, on va se faire les Alpes. Et d'ailleurs, ah non Et d'ailleurs le Mont Blanc il est où d'ailleurs? Le Mont Blanc il est à quelque part, voilà, il est à quelque part ici, voilà, sachez-le. Et ce qu'on va faire, on va prendre un petit Cessna, on va décoller de Courchevel en faisant checklist bien sûr. Donc Courchevel, aéroport incroyable. On va passer par Genève, le lac Léman, ça c'est le lac Léman, et non pas Clément. Et on va longer les montagnes, les chaînes de montagnes, et on ira atterrir à Ambry. Alors ça a l'air très proche, mais mine de rien ça dure plus d'une heure et demie. Voilà, donc tranquille, vous êtes prêts? Non mais frérot, Mcolo t'aimes bien Greg Guillotin, j'aime beaucoup. On a bu un café encore avant-hier. Bon des fois j'aime pas trop, parce que il aime bien un peu me tacler, enfin, on discute parce qu'il aime bien un peu rigoler et tout. Mais sinon il est très sympa. Boire un café hier en terrasse fermée? Non mais non, chez moi directement, parce que du coup je l'avais invité le mois dernier, c'était lui qui m'avait invité. Tous les mois on s'invite en fait mutuellement et on se fait des petites voilà. Allez c'est parti. Non tu connais pas? C'est marrant ça. Oh là là, regardez comment c'est beau. J'avais oublié qu'il était beau ce simulateur. Ok. Oh. Bon, oh non, ça va être encore la galère avec les pushbacks. Eh bah c'est parti pour la checklist hein. Ok. J'ai rien à faire hein. En fait je comprends, mais je sais pas à quoi ça sert. C'est ça ce qui est pas intuitif en fait. C'est dommage. Le dernier bouton du bas. Comment ça frérot? Ah ouais putain, je suis un connard. Bon, excusez-moi monsieur, je vous découpe la tête mais vous servez à rien. Ouais ouais, vous inquiétez pas, c'est la magie. On va se mettre on va se mettre sur la piste. Mais il n'y a pas service au sol dans la TC là, je sais pas pourquoi il n'y avait pas, c'est pour ça. Hop. Et voilà, on est aligné face à la piste, on est prêt. Et on fait un décollage direction nord, un peu nord-ouest pour aller au niveau du lac Léman. Mais on s'en fout, on va pas passer par Genève hein. J'ai mis ça pour avoir le repère, mais on va vraiment aller dans le nord pour survoler un peu le lac Léman. Et après on repart sur la chaîne de montagne de nouveau quoi. Avec le Mont Blanc qui est je sais plus trop où quoi. Ok, on est bon, on est parti. Et bah les frérots, c'est parti. On décolle, on met les pleins gaz. Ça va être bien sympa. Putain, il y a un avion qui veut atterrir en même temps. Eh hey, mon pote. Oh là là, aïe 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 aïe. Oh, oh mec. Ah ouais, c'est chaud. Ok. Oh. Hey, y a des rafales de l'armée de l'air ou ça passe comment là? Là, je suis plein gaz, faut qu'on monte encore. Faut qu'on prenne masse altitude, mais je sais pas du tout si on va y arriver. Il n'y a aucun vraiment... Enfin si, on peut contourner la chaîne de montagne, mais ça va être grave relou de le faire. À la limite, vous voyez ce creux là entre les deux, ça peut passer, mais sinon je vois pas comment faire. Hein. Sauf si on contourne, mais ça me ferait chier de contourner. T'inquiète, un Cessna va au Mont Blanc, donc ça passe, ok. Bah écoute, on va continuer de monter un peu progressivement. Parce que attends, je veux bien qu'un Cessna monte au Mont Blanc, mais faut aussi que le pilote il assure derrière, tu vois. C'est pas l'avion qui fait tout seul, on est tous bien d'accord là-dessus. Mais ça va, là ça passe, regardez, c'est bon, ça... On est au-dessus là à peu près. Si je tire pas trop sur le manche, mais un peu quand même, ça devrait le faire. Mais j'avoue, je suis un peu tendu à l'idée, là. Pareil, combien il va décro? Mais ouais, je regarde comme je suis droit. Je suis droit comme un pinson. Non, ça se dit pas, cette phrase. Ouais, regardez ce petit village. Charmant, n'est-ce pas? Charmant. Putain, on est bien, là. Waouh! Un avion qui nous... Alors lui, à mon avis, c'est un viewer ou pas? Pour qu'il soit aussi proche de nous, là, comme ça. C'est trop stylé, regardez ce qu'il nous fait lui. Par contre, qu'est-ce qu'il fait? Il va tomber là. Un vol en formation là. Qu'est-ce qu'il fait? Mais on dirait il est en train d'écrire dans le chat si c'est un viewer. Mais ça se trouve, c'est pas du tout un viewer. Hein. Les graphismes, c'est beau. Hein. C'est moi BG, c'est toi? Ah bah tu vois, la classe. Juste en bas, t'as une route du Tour de France. Ah ouais? Bah en même temps, on est dans les Alpes, oui, c'est clair. Ouais. Oh putain! Ah mais bien sûr, bah ça se voit que c'est forcément.
Ah, c'est marrant. Et en fait, le lac d'Annecy, il est ici, si je dis pas de bêtises. Et nous, on y arrive. Et t'as le lac Léman juste là. Ça commence à m'intéresser la VR. Non, pas la VR, pardon, le... Le trackier, pardon. Pas pareil. Enzo, je te suis depuis à peu près 4 ans, t'as tellement évolué, grand GG à toi. Merci beaucoup, Enzo, ça fait plaisir. Au feu, les pompiers. Ah, il est là, le collègue. Ah, c'est stylé. Ah, ça, c'est le lac dont je vous parlais, là, le petit lac... assez sympa, c'est le lac de Roseland. What? Pardon, excusez-moi, j'ai vu un écran noir, je voyais plus rien. J'avoue, j'ai eu peur. Toutes les semaines, je fais un programme exprès où je vous dis toutes les vidéos et tous les lives qui sont prévus. Du coup, bah, il y a juste à voir. Et ça, je partage ça sur Instagram, sur Discord, sur YouTube, dans l'onglet communauté, pardon. Si jamais vraiment vous savez pas où trouver le programme, vous tapez mcolo.fr/tv et vous avez le programme. Genre vraiment, je crois que c'est... Au moins vous êtes sûr de voir le programme, tu vois. C'est perturbant, je me suis cru sur GTA, là j'avais juste envie de sauter en parachute, je sais pas pourquoi. On va faire une petite figure acrobatique en attendant. Je suis pas sûr de l'avoir déjà fait avec cet avion. Eh bah ça marche pas avec cet avion. Voilà. Eh bah c'est parti les frérots, j'espère que vous avez bien vomi. Est-ce qu'on retente un tonneau là? Je pense que... Allez. Hop. Celui-là il passe. Voilà, celui-là il passe mon pote. Alors que le lac d'Annecy est en train de se dévoiler petit à petit devant nous. Ça y est, ça fait plaisir, regardez-le, il est là, il est beau. Bon là je suis en overspeed, hein. Ne faites jamais ça, hein. Sinon votre avion il est mort. Mais moi je suis le dieu des avions. Du coup vous inquiétez pas. D'ailleurs j'ai oublié de préciser, je suis un connard, hein. Mais cette idée de faire les Alpes, ça vient du... J'avais demandé en fait tout simplement des idées sur le Discord que je vous invite à rejoindre si jamais vous aimez Flight Simulator, si vous aimez un peu ce monde de l'aviation, etc. Si vous voulez rejoindre un petit peu cette communauté qui est sympa. C'est le Discord... Bah du coup j'ai pas le lien là. Le Discord du coup MFS 2020. Ils sont tous sympas et je leur avais demandé, voilà, vous avez pas des idées là de plans de vol pour chiller. Et du coup ils m'ont dit bah les Alpes, hein. Et du coup allez c'est parti pour les Alpes tout simplement. Et ils m'avaient conseillé par exemple cet avion. Donc voilà j'avais envie un petit peu de faire ça comme ça. Regardez ces petites maisons, c'est cosy, hein. Ils sont cosy et en vrai alors je sais pas comment c'est dans la vraie vie, hein. C'est pas pareil, j'imagine c'est un peu différent. Mais ça, on dirait, enfin je sais pas, ça fait pas penser un peu en Guadeloupe un peu. Alors que pas du tout, on est en France. Mais ça fait pas un peu penser à la Guadeloupe? Non, pas la Guadeloupe, pardon, my bad. Non. Mais si, mais c'est quoi la forêt amazonienne là à côté là? La partie française au niveau de la forêt amazonienne, comment ça s'appelle? Oh, je sais plus. Ça me fait penser à ça, c'est tellement beau. C'est tellement incroyable. T'imagines, tu vois un avion voler aussi bas là des maisons comme ça? Oh là là. Voilà, c'était le lac d'Annecy. Waouh, la maison là-haut. Waouh. Oh, ils se mettent bien. Oh, ils se mettent bien. Ceux qui habitent dans le coin, là, les gars. Anaïs, voici Evian. Est-ce que tu reconnais? Salut, Cyril. Evian, les bains. C'est ici, c'est là. Putain, mais t'as une bête de vue, quand même, hein. T'as une vue de taré. Alors, elle est où, ta maison, là? Ça, c'est stylé, la bête de vue quand même. Tu te réveilles, t'as ça. T'ouvres ta fenêtre, tu vois ça. C'est énorme. Ça passera pas. J'ai mal anticipé avec vos conneries dans le chat. Je vais décrocher. Yes. Je vais décrocher, je suis dégoûté les gars. Ça sert à rien, ça sert à rien. On va essayer de faire un truc. On va essayer de faire un truc RP. Voilà. Comme ça, on part du principe qu'on se plante pas. Et voilà. Ah ouais. Et c'est pas grave, voilà, on fait une petite boucle. Mais au moins, ouais. Avec vos conneries dans le chat, là, j'étais à fond dans ce que vous disiez. Et du coup, j'ai absolument pas anticipé, quoi. Voilà, là, au moins, ça nous permet de reprendre de la hauteur calmement. Je sens que l'atterrissage va être incroyable. Mais t'inquiète. Bon bah je t'ai perdu, désolé Diego. Mais c'était super par contre que tu m'aies suivi jusque là, incroyable. Le processeur en sueur, oh là, le stress. Te crache pas comme l'équipe de foot des années 70 ou 80, lol. Ouais c'est pas très drôle, hein. Ah mais vous êtes aussi nombreux à regarder le live les gars, vous êtes sérieux? En fait je vous explique. Je vais vous, voilà, c'est le moment où je vais me confesser.
Vous voyez ça? Ce petit post-it, je l'ai collé sur mon écran pour que je ne puisse pas voir le nombre de viewers. Ça, c'est un truc très important, les gars, si vous faites du stream ou que vous voulez en faire, c'est de pas regarder son nombre de viewers. Et habituellement, quand je faisais mes lives sur Twitch, bah, je cachais mon nombre de viewers. Sauf que là, comme j'utilise Restream pour pouvoir stream et sur YouTube et sur Twitch, et ben du coup c'est pas les mêmes fonctionnalités et du coup le nombre de viewers est affiché et j'ai pas le choix. On peut pas désactiver ça, c'est de la merde. Du coup j'ai mis un petit post-it sur mon écran pour pas voir. Et là du coup j'ai voulu l'enlever. Tu vois, chose à ne pas faire, mais je sais pas, j'avais envie de l'enlever. Et j'ai vu ce chiffre. Alors les frérots, vous êtes des malades, hein. Mais ça me fait plaisir. Si vous vous êtes focus sur le nombre de viewers, et ben dès qu'il y aura personne, vous allez pas parler. Et si vous parlez pas, bah personne va regarder votre live. Tout simplement. C'est un cercle vicieux. Parce que tu sais, le temps que ça s'actualise, voilà, le mec qui rejoint le live, il voit que tu parles pas, il voit que t'es déprimé, bon bah voilà. Et puis toi en plus, ça te met un coup au moral le fait qu'il n'y ait pas de viewers, tu vois. Donc tu regardes pas, tu fais comme si tout allait bien, voilà, tu réagis avec le chat qui est là et qui est 102 ou 20 viewers, et bah c'est la même chose, tu vois, et c'est pour ça. Au moins ça t'enlève un peu ce stress et tu restes toi-même. Ça c'est la technique vraiment. Je sais que je suis trop rapide, mais laisse-moi le temps de baisser la vitesse. C'est moi où il y a un bout de montagne juste devant la piste. Où ça? Il n'y a pas de bout de montagne devant la piste. Voilà, on va couper les gaz tranquillement. Maintenant, on va laisser se planer. Voilà, il n'y a plus qu'à planer. Et là, on se concentre. Ok. Oh, c'est bon les gars, c'est bon les gars. Et ben voilà. Ah, ça fait plaisir, putain. Un peu stressant quand même le bruit de moustique que ça fait quand tu tires sur le manche. Mais on l'a fait. Merci beaucoup.